La Bay Week Cup a bien grandi. Ce tournoi de football pour jeunes est passé en quelques années d'un événement régional à un rendez-vous international. Les meilleures équipes des catégories U10 s'affrontaient ce week-end dans les installations du club de Wavre Sport. Et pour sa 8e édition, le tournoi proposait son meilleur plateau. Reportage, Nesrine Djebali et Jérémia Degimbre. Juventus, Barcelone, Manchester City, la Roma, Benfica, l'Ajax ou encore l'Inter Milan. C'était quelques-uns des 40 clubs présents ce week-end au stade Justin Peeters à Wavre. La BW Cup a franchi un nouveau cap en accueillant davantage de clubs de renommée internationale, en plus des grands clubs belges. Donc cette année, c'est vraiment le top du top, enfin pour nous, en tant qu'organisateurs. Donc on a des équipes comme l'Ajax Amsterdam, Manchester City, la Juventus, la AS Roma, Benfica, enfin je peux tous vous les citer. On a Dynamo Zagreb, Sparta de Prague, on a l'École de Barcelone également. Donc ça ce sont les grosses équipes, on va dire, étrangères, plus les équipes belges du top 6, on va dire, comme Bruges qui vient pour la première fois, la Gantoise, Genk, Standard, donc voilà. Attirer les plus grands clubs européens et augmenter le niveau du tournoi. C'était l'ambition de l'organisation. Mais attention, la BW Cup n'oublie pas les clubs du coin. Eux aussi, ils ont leur place dans ce tournoi haut niveau. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une particularité de notre tournoi. Donc on essaie d'augmenter le niveau. Mais alors, on n'oublie surtout pas les équipes du coin. Parce que ces équipes du coin, comme Wallin, Grédoisseau, Wavre, Wavre-Limal, enfin j'en peux en citer plusieurs, qui sont dans le coin, n'auront jamais la possibilité de jouer ce type de tournoi. Donc nous, on leur offre cette chance de jouer contre ces équipes-là. Quoi. Parmi les clubs du coin, on retrouve Wavre Sport. Ces jeunes U10 étaient plutôt nerveux à l'entame de leur première rencontre face à Manchester City. Effectivement, au premier match, ils avaient beaucoup de pression. Donc il faut les détendre un peu parce que voilà, on a joué le premier match Manchester City. Ça s'est bien passé, donc après ça a été. Après avoir joué contre Manchester City et avoir fait un nul, Wavre Sport a affronté le Berscott, Bruges, les City Piratens d'Anvers, Eupen et l'AS Roma. Un tournoi au goût de récompense, selon le coach. Ben, c'est surtout une récompense pour eux, pour toute la saison qu'ils ont faite. Et bon, c'est le haut niveau international, donc voilà, c'est toujours un souvenir pour eux. Un souvenir maintenant et un souvenir dans quelques années, et pour le futur aussi, hein. plus tard. Ce type de tournoi permet aux jeunes de se créer des beaux souvenirs. Oui, je trouve moi que c'est une récompense et aussi ça fait plein de beaux souvenirs. Ouais, parce qu'en fait, on a reçu le drapeau de Manchester City et ouais, c'est vraiment bien. Nous, on aime bien jouer contre des fortes équipes, donc ouais, on aime bien ça. Du côté international, il y avait également Otis, un club français qui venait également pour prendre de l'expérience. Chaque année, les U10 participent à un tournoi international, considéré comme une plus-value pour les futurs Mbappé de demain. Donc on en fait un tous les ans. Donc l'année dernière c'était l'Autriche, cette fois donc la Belgique. Donc c'est toujours un plus pour les enfants de connaître un autre type de football et de pouvoir se mélanger sur deux jours. Satisfaction également de la part des 39 autres équipes présentes. Et malheureusement, cette année, l'organisation s'est vue refuser des inscriptions par manque de places.